إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc la rencontre de ce soir, Inch'Allah Ta'ala, au sujet de la mort, qui est un des sujets les plus importants, un des sujets les plus terrifiants, les plus terribles, la mort, l'agonie de la mort. Et la mort, mes frères et sœurs, la mort est une réalité. La mort est même une vérité à laquelle chacun de nous devra faire face. Et la mort, personne ne pourra en échapper. La mort, elle touche toute personne. La mort ne fait pas d'injustice. La mort ne fait pas de différence entre les gens. Elle touche les pauvres et laisse les riches, ou touche les vieux et laisse les jeunes. Non, la mort touche le riche comme elle touche le pauvre, touche les jeunes comme elle touche les vieux, touche les gens en bonne santé comme elle touche les gens qui sont malades. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la mort à chaque homme et chaque créature sur terre goûtera à la mort. يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. Il dit dans ce verset, chaque homme goûtera à la mort. ويقول أيضا إنك ميت وإنهم ميتون. Il dit également, s'adressant à son prophète, à son messager sallallahu alayhi wa sallam, certes, tu goûteras à la mort, ils goûteront également à la mort. وَجَاءَ فِي حَدِيثِ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به الحديث. Dans ce hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, notre prophète صلى الله عليه وسلم dit, Jibril عليه السلام est venu. Il m'a interpellé en disant, « Oh Mohammed, vis tant que tu voudras,
c'est-à-dire le temps qu'Allah t'aura déterminé. Certes, tu goûteras à la mort. Aime qui tu voudras. Certes, tu t'en sépareras. Et accomplis ce que tu veux. Certes, tu en seras rétribué. Donc, si la situation est telle, comment nous on doit accueillir la mort? Comme on vient de l'entendre, on se doit de se préparer. De préparer ses bagages, de préparer ses provisions. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, dakhala yawman al-maqabir, faqal, ya ahl al-qubur, ya ahl al-qubur, mal khabaru indakum, mal khabaru indakum, fa'amma al-khabaru indana, فأما الديور أو البيوت فقد سكنت وأما الأزواج فقد نكحت وأما الأموال فقد قسمت ثم قال فما الخبر عندكم ثم ختم بقوله والذي نفسي بيده لو أذن لأحدهم بالكلام لقال إن خير الزاد التقوى. Ali ibn Abi Talib, un jour en entrant dans un cimetière, il interpelle les résidents, les gens dans les tombes, et il dit: oh les gens dans les tombeaux, dans les tombes, quelles sont les nouvelles? Quelles sont vos nouvelles? Quant à nos nouvelles à nous, quant à vos demeures ou aux maisons, elles ont été habitées. Quant aux épouses, elles ont été remariées. Quant à vos biens, ils ont été partagés. Ensuite il dit: par celui qui a mon âme dans sa main, par Allah Azza wa Jal, si on aurait permis à l'un d'eux de parler et de répondre, il aurait dit: la meilleure des provisions est la piété. La meilleure des provisions est la piété. Et sachez que la mort ne prévient pas. La mort ne vient pas taper à la porte et demander la permission d'entrer. La mort, elle est soudaine. La mort, elle surprend. La mort, elle vient subitement. La mort vient dans les instants où peut-être tu t'y attends le moins. Et à ce moment-là, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de marche arrière. يقول الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا فلا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Il dit: quand vient leur terme à l'un d'eux, ils ne peuvent le précipiter ni le retarder. ويقول أيضا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. Il dit également: aucune âme ne pourra mourir si ce n'est par la permission d'Allah, un temps déterminé, prédéterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si nous on a la certitude en cela, on se doit de préparer nos provisions et de préparer nos bagages, car le départ peut survenir à tout instant et à tout moment. Certains disaient: quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends de ta vie, profite de ta vie pour adorer Allah avant que vienne l'heure de ta mort. Profite de ta santé pour l'adoration d'Allah avant que vienne le jour où tu es malade, le jour de ta maladie. Profite de ta richesse avant que vienne le moment où tu seras pauvre, où tu ne pourras pas faire certaines adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, sachez que la mort,
lorsqu'elle se présente et lorsque la personne débute son agonie, sachez que la mort a des affres terribles. La mort a des souffrances terribles. Elles sont plus dures que des coups d'épée, plus dures que des coups de scie. Allah Azza wa Jal seul connaît la souffrance et la difficulté de la mort. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, لما كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء البارد ويمسح على رأسه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. Notre prophète صلى الله عليه وسلم, notre messager, le dernier des prophètes, le meilleur des prophètes, le sceau des prophètes, à sa mort, lors de la maladie de sa mort, il avait auprès de lui un ustensile avec de l'eau fraîche. Il essuyait la tête et il disait La ilaha illallah, La ilaha illallah. Certes, la mort a des affres, la mort a des souffrances. Il est rapporté de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui a décrit le moment de l'agonie à son fils. Il lui décrit le moment de l'agonie. Il lui dit, pour lui expliquer sa situation, il dit, « Oh mon fils, c'est comme si le ciel s'écrasait sur la terre et s'écrasait sur ma poitrine. Oh mon fils, c'est comme si je respirais par le chat d'une aiguille, le chat, le trou d'une aiguille. Oh mon fils, c'est comme si j'étais piqué par des épines dans tout le corps, du pied, des pieds, en remontant à la tête. » Il est cité d'innombrables situations de pieux qui nous ont précédés, où il relate les moments de l'agonie. Que dire alors ceux qui sont dans les péchés? Que dira celui qui est dans la désobéissance? Est-ce que cette situation de ces hommes pieux, de ces gens qu'Allah a agréés, dont Allah est satisfait, est-ce que leur situation ne doit pas te faire peur, ne doit pas t'effrayer, ne doit pas t'inciter à te préparer, ne doit pas te pousser à accueillir la mort de la meilleure des façons? Et chacun d'entre nous passera par ce moment. Le moment où son âme débutera à quitter son corps. Car en réalité, on est un ensemble de jours. Comme disait Al-Hassan al-Basri, « Innama anta ayyamun majmou'a, kullama mada yawm, mada ba'duk. » Il disait Al-Hassan al-Basri, « En réalité, tu n'es qu'un ensemble de jours. Tu représentes un ensemble de jours. » Que seul Allah connaît. Dès qu'un jour passe, dès qu'un jour s'en va, c'est une partie de toi-même qui disparaît. C'est une partie de toi-même qui disparaît. Et souvent, j'ai cité l'exemple du calendrier. Le calendrier que tous les jours, on vient enlever une feuille, on arrache une feuille, et à la fin de l'année, il ne reste plus que le carton. Alors imagine-toi ta situation. Tu es un ensemble de jours. On enlève les jours de ta vie jusqu'au jour où il te reste plus une seule minute. À ce moment-là, il restera le carton. Il restera ton corps. Il restera la carcasse. Et le calendrier est jeté dans la poubelle. Et toi, tu es jeté dans un trou, dans la tombe. Un trou sombre, sans compagnon, sans amis, sans proches. Sentez bien, mais avec tes actions. Mais avec tes actions. Et nous allons citer, comme l'a évoqué notre prophète alayhi salatu wassalam, dans le très long hadith de Al-Bara ibn Azib, où un jour le prophète alayhi salatu wassalam a évoqué et a cité à ses compagnons les étapes au moment où l'âme est retiré, est arraché par l'ange de la mort.
et la succession jusqu'au retour dans la tombe et jusqu'à l'interrogation, jusqu'à l'interrogatoire des deux anges. Il dit dans le hadith, je le cite en majorité en français, car c'est un hadith trop long pour ne pas durer trop longtemps. Il dit dans le hadith, lorsque le croyant arrive au terme de sa vie d'ici-bas, lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, il est sur le point de débuter dans la vie de l'au-delà. Il dit des anges avec des visages blancs, des visages rayonnants comme le soleil, arrivent à lui. Ils descendent du ciel vers lui. Ils apportent avec eux un linceul du paradis. Ils amènent avec eux également le parfum du paradis. Et ils s'assient aux côtés du défunt, aux côtés de celui qui agonise. Ils sont tellement nombreux, qu'ils ferment son champ de vision. Des gens au visage blanc, rayonnant comme le soleil. Ça c'est le cas du croyant, le cas de celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala et qui a une bonne fin dans cette vie. Et à ce moment-là, l'ange de la mort arrive. Et l'ange de la mort, ce n'est pas Azraïl. Azraïl n'est pas le nom de l'ange de la mort. Mais l'ange de la mort, il s'appelle Malakul Maut. Il s'appelle ange de la mort. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. Dit, c'est l'ange de la mort qui arrache vos âmes. Il vient et se présente à cette personne, à ce croyant. Il lui dit, ô âme apaisée, ô bonne âme, sors vers la clémence d'Allah, sors vers la satisfaction d'Allah, sors vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et l'âme du croyant à ce moment-là, elle quitte le corps d'une facilité. Elle quitte le corps telle une goutte d'eau qui sort d'une gourde, une goutte d'eau qui tombe d'une bouteille. Et elle est tenue par l'ange de la mort. Et les autres anges la saisissent. Ils l'enveloppent dans ce linceul venu du paradis. Ils la parfument du parfum du paradis. Il n'y a pas un ange dans le ciel, entre le ciel et la terre, sans qu'il implore le pardon pour cette âme. Les anges, ils invoquent Allah en faveur de cette âme. Et toutes les portes du paradis, elles s'ouvrent en faveur de ce croyant. Et chacun, chaque ange, chaque gardien, il invoque Allah afin que cette âme fasse son ascension de leur côté. Et là, et les anges commencent à monter. Ils montent et arrivent au premier ciel. Ils demandent la permission d'entrer. Et les anges leur ouvrent et leur donnent permission. Ils demandent à qui appartient cette âme, à qui est cette bonne âme, à qui est cette âme apaisée. Et les anges de répondre, c'est un tel, fils d'un tel. Et ils le citent par les plus beaux noms par lesquels il était cité, il était connu dans ce bas monde. Et le Nabi alayhi salatu wa salam, à ce moment du hadith, il cita le verset توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Dans le sens, nos messagers, c'est-à-dire nos anges, arrachent sans âme, sans aucune négligence. Ils prennent l'âme sans aucune négligence. Et à ce moment-là, elle monte de ciel en ciel, et elle est accompagnée, et les anges ne cessent d'invoquer en sa faveur. Quand elle arrive au septième ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne d'inscrire son serviteur et le nom de ce serviteur dans le kitab al-illiyin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Le Nabi alayhi salatu wa salam, il cita également ce verset. Quand il dit, quand elle arrive au septième ciel,
Allah ordonne d'inscrire ce livre dans le plus haut degré du paradis. Il dit, il cita le verset, qui te dira ce qui est al-illiyin? Kitabun marqum, c'est un livre cacheté. Yashhaduhu al-muqarrabun, dont les proches, les anges rapprochés d'Allah Azza wa Jal en témoignent. Ainsi la situation du croyant. Ensuite il ordonne que son âme retrouve son corps sur terre. Et l'âme à ce moment-là retrouve le corps. Et le défunt entend les pas de ses compagnons qui viennent de l'enterrer, faire demi-tour et s'éloigner de lui. Et à ce moment même, deux anges descendent du ciel avec un grondement fort. Ils le font asseoir dans la tombe afin de l'interroger, afin de le questionner. Et il interroge au sujet de son Seigneur, au sujet de sa religion, au sujet de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, le Nabi alayhi salatu wa salam, il évoqua également l'ayat, le verset. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala raffermi ceux qui ont cru dans ce bas monde et par la parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Après avoir répondu convenablement, le croyant est raffermi par Allah azza wa jal. Il répond que son Seigneur est Allah, que sa religion est l'islam, la soumission à Allah Azza wa Jal, et que son prophète est Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, ordonne de lui ouvrir une porte donnant accès au paradis, de lui étaler sa tombe des tapis du paradis, de l'habiller des vêtements du paradis. Ça c'est le cas du croyant qui est dans sa tombe. Et après, Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il évoque la situation du mécréant et dans des versions al-fasiq, du pervers, du désobéissant. Il dit, quand le mécréant ou bien le désobéissant, le pervers, arrive à la fin de sa vie d'ici-bas, il est au début de la vie de l'au-delà. Il dit, viennent à lui, descendent des anges, durs et rudes, au visage sombre, au visage noir. Ils viennent avec eux, ils amènent une robe d'un tissu rêche, tissé au feu, wal'iyadu billah. Imagine un vêtement de feu. Ils descendent avec du ciel. Et l'ange de la mort se présente à ce moment-là. Il interpelle également, il interpelle son âme. Et il lui dit, ô âme perverse, ô âme désobéissante, sors vers la colère de ton Seigneur. Sors vers la colère d'Allah et vers son courroux. Et à ce moment-là, contrairement aux croyants, l'âme essaye de se disperser dans le corps. Elle essaye d'échapper à cela. Mais l'ange de la mort la saisit. Il la retire et il l'arrache du corps. Il l'arrache tellement qu'elle déchire les veines dans le corps. Il dit l'exemple que le Nabi alayhi salatu wassalam a cité dans le hadith. Il dit, c'est comme une bague métallique, une baguette métallique qui est arraché d'une boule de laine mouillée humide. Il dit, comment elle a du mal à arracher à l'arrache des parties. Donc l'âme du mécréant et du pervers sont arrachées de la sorte, selon le degré de la désobéissance et de l'éloignement de cette personne. «
en arrachant l'âme, donc les veines, les nerfs sont arrachés. Et les anges entre le ciel et la terre, ils maudissent cette âme. Et tous les anges se trouvant dans les cieux maudissent cette âme. Les portes du ciel se ferment. Et les anges invoquent Allah Azza wa Jal de ne pas faire monter, de ne pas faire ascension de cette âme de leur côté et de l'éloigner d'eux. Et les anges l'enveloppent dans cette robe de feu. Wal'iyadu billah. Et elle dégage une puanteur, une odeur désagréable, semblable au pire des cadavres que tu puisses trouver sur terre. Le pire des cadavres, la pire des dépouilles que tu puisses trouver sur terre, elle dégage une odeur pire encore. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début vers la montée, vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils débutent son ascension vers les, dans les cieux. Ils arrivent au premier ciel. Ils demandent la permission. Mais la permission ne leur est pas accordée. Les portes des cieux restent fermées. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il récita le verset « La tufattahu lahumu abwaabu s-sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat » Il dit « Les portes des cieux ne leur seront pas ouvertes. Ils ne rentreront pas au paradis tant que le chameau ne rentrera pas dans ou ne pénétrera pas le chat de l'aiguille. Ils ne rentreront et ne connaîtront jamais Al-Janna wal-Iyadu Billah, qui est le cas du mécréant. Et à ce moment-là, l'âme, on ordonne aux anges de renvoyer cette âme, de jeter, de lâcher l'âme de l'incroyant, et qu'elle retourne sur terre, qu'elle retourne dans ce corps. Ensuite, les deux anges se présentent également. Les deux anges se présentent pour l'interrogatoire. Ils commencent le questionnement. Qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Il dira, je sais pas, la adri. Où j'ai entendu les gens, ils disaient ça et j'ai dit ça. Quelle est ta religion? Quelle est ta religion? Il dira également, la adri, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai entendu un tel. Il disait ceci. Que dis-tu au sujet de cet homme qui vous a été envoyé? Il dira pareil, la adri, je ne sais pas. Il ne suffit pas de connaître dans ce bas monde, de dire, ouais, Allah c'est mon Seigneur, ma religion c'est l'islam. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. Mais il faut appliquer cela. Il faut que tu adores Allah Azza wa Jal. Il faut que tu l'adores avec l'islam, c'est-à-dire la soumission à lui, en l'adorant. Et en l'adorant comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a indiqué. Et à ce moment-là, un cri du ciel retentit. Mon serviteur a menti. Mon serviteur a menti. Étalé sous lui une couche de feu, wal'iyadu billah, avant même le jour de la résurrection, avant même d'être ressuscité, il est châtié dans la tombe. Il est dans le monde al-barzakh, le monde intermédiaire avant le monde de l'au-delà. Il subit déjà les conséquences de sa vie néfaste, de son éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, allez, sous lui une couche de feu et ouvrez-lui une porte donnant à l'enfer. Et la chaleur, l'ardeur de l'enfer commence à lui parvenir. La laideur de l'enfer, wal'iyadu billah. Il constate le jour où il est trop tard. Il constate dans une situation, dans un moment où il est trop tard. Et on ordonne à sa tombe, de le compresser. Et il est compressé au point
au point où al-iyadu billah, ses côtes, elles s'entrecroisent. Ses côtes s'entrecroisent dans la tombe, wal-iyadu billah, à cause de ses mauvaises réponses, qui sont la conséquence de ses mauvaises actions dans la vie d'ici-bas. Maintenant que l'on a cité cette situation, la situation du croyant, la situation de celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, et la situation du mécréant ou de celui qui a vécu dans la désobéissance, maintenant à toi de choisir. Chacun d'entre nous se doit de choisir quelle situation il veut pour lui. Est-ce que tu veux la situation où les anges t'accueillent par le linceul du paradis, par le parfum du paradis, ou bien tu désires être accueilli par une robe de feu et par une odeur des plus épouvantables? Dans ce cas-là, choisis. Et ta réponse, on ne veut pas l'entendre. La réponse, on veut la voir, c'est dans les actions. La réponse doit être des actions sincères à Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oubliez pas le hadith du début. Quand Jibril alayhi salam a dit à notre prophète alayhi salatu wa salam, ô Muhammad, vis tant que tu voudras, certes tu mourras. Aime qui tu voudras, certes tu t'en sépareras. Accomplis ce que tu voudras, certes tu en seras rétribué. Aujourd'hui tu le sais, aujourd'hui tu es prévenu. Admets que l'ange de la mort, il t'a laissé une deuxième chance, qu'il est venu et que tu as demandé répit, et qu'il t'ait laissé la deuxième chance, qui n'existera jamais. Mais mets-toi cette situation, dis-toi, l'ange de la mort s'est présenté à l'instant même, et tu l'as supplié, tu lui as demandé de te laisser un temps. Comment tu sauras? Donc tu dois dès maintenant commencer soit à renouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu avais coupé la corde qui te liait avec Allah azza wa jal, tu dois essayer de renouer ce lien avec ton Seigneur. Et que celui qui prie ne soit pas trompé et qu'il pense qu'il est sauvé et qu'il pense qu'il a reçu l'accès au paradis. Non, cela doit t'inciter à multiplier tes adorations, à demander à Allah d'être ferme dans ta religion jusqu'à la mort, de mourir en pleine soumission. Car il ne suffit pas d'accomplir des actions pendant un certain temps. Il faut mourir en accomplissant les obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Afin de conclure, je rappelle la fin du hadith. Dans les deux cas, dans les deux situations, le premier cas, le cas du croyant, le cas de celui qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il y aura un homme. Rappelez-vous toujours du hadith de Jibril. Aime qui tu voudras, tu t'en sépareras. Accomplis ce que tu voudras, certes tu en seras rétribué. Tu aimes ta femme, tu t'en sépareras. Tu aimes ta mère, tu t'en sépareras. Tu aimes ton père, tu en seras séparé. Tu aimes tes enfants, tu en seras séparé. Tu aimes tes biens, ta richesse, ta maison, ta voiture, ta vie, tu en seras séparé. Mais quelle est la chose qui ne se séparera jamais de toi? C'est tes actions. Tes actions t'accompagnent dans cette vie. Elles t'accompagnent dans la tombe. Et elle t'accompagne le jour dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant le jour des comptes. Ainsi il conclut le hadith en disant, dans le cas du croyant, dans le cas de celui qui a adoré Allah, il dit un homme au beau visage, avec une belle apparence, dégageant une belle odeur, une odeur agréable, il vient à lui. Il lui dit, je viens t'annoncer. Il parle au défunt. Il lui dit, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Je viens t'annoncer la satisfaction d'Allah. Je viens t'annoncer
l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala à ton sujet. Et l'homme heureux, il lui dit, mais qui es-tu? Ton visage annonce le bien. Ton visage annonce la bonne nouvelle. Il lui dira, je suis tes bonnes actions. Je suis tes bonnes actions. Donc tes bonnes actions ne te quitteront jamais. Tes bonnes actions, c'est-à-dire la prière, c'est-à-dire la bonté envers les parents, c'est-à-dire la bonté, être bon envers le voisinage, être bon envers les musulmans en général, accomplir toutes sortes d'adorations, c'est ce qui t'accompagnera dans cette tombe. Et tes actions te parleront. Ils t'annonceront la bonne nouvelle. Et il lui dira, ton visage annonce la bonne nouvelle. Qui es-tu? Il dit, je suis tes bonnes actions. Il dit, je suis tes bonnes actions. Par Allah, il dit, je ne t'ai connu qu'accourant vers les bonnes œuvres. Réticent à la désobéissance à Allah. Reculant devant les péchés, devant la transgression des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier cas. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie de ce cas. Le deuxième cas, la deuxième situation, un homme lui apparaît, un homme laid, très mal habillé, dégageant une odeur infeste, une odeur désagréable, répugnante, et quand l'homme il le voit, il lui dit, qui es-tu? Qui es-tu? Ton visage annonce le mal. Ton visage annonce à Char le mal. Il lui répondra. Il lui dira, je suis tes mauvaises actions. Je suis tes mauvaises actions. Quelles sont les mauvaises actions? Le délaissement de la prière. Le délaissement de la prière, une mauvaise action. Consommer l'alcool. Ou bien fumer. Ou bien s'éloigner, être distrait du rappel d'Allah Azza wa Jal, s'éloigner de tout ce qui t'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala, transgresser les ordres d'Allah et de son messager. À ce moment-là, tout ça sera en forme d'un homme, avec cette mauvaise apparence, cette apparence laide et terrifiante, qui viendra à toi, il viendra t'accompagner, car ce sont tes actions, il t'accompagnait déjà dans le bas monde. Il lui dira, je ne t'ai connu que réticent face à l'obéissance à Allah, hésitant à adorer Allah Azza wa Jal, mais accourant à sa désobéissance, te précipitant à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous rappelle que celui qui multiplie, celui qui se rappelle souvent de la mort, celui qui multiplie les rappels de la mort, il sera honoré par trois choses. Il sera honoré par trois choses. Premièrement, il va précipiter le repentir. Il va revenir, courir vers Allah subhanahu wa ta'ala et se repentir. La deuxième des choses, il va acquérir la satisfaction. Il sera satisfait de sa situation mondaine. Il ne cherchera pas le surplus. Troisièmement, il déploiera les efforts dans l'obéissance à Allah. Il multipliera, il fera plus d'efforts qu'auparavant. Quant à celui qui délaisse le rappel de la mort, quant à celui qui oublie la mort, alors il sera privé de ces choses. Il sera réprimandé ou bien châtié par d'autres choses. Premièrement, il retardera le repentir. Il dira, Ramadan prochain, Inch'Allah, je débute. Le vendredi prochain, je viens à la mosquée. Dès que je me marie, je rétablis ma situation. Dès que je fais mon affaire, je fais ça. Dès que je fais ceci, je ferai cela. Il retardera car il a oublié la mort. Il va retarder le repentir. Il a oublié qu'à tout instant, il peut quitter ce bas monde. Deuxièmement, il sera toujours insatisfait. Toujours il voudra plus. Toujours il voudra encore plus de ce bas monde, encore plus de richesses. Jamais il ne sera rassasié. Seule la terre le rassasiera quand il sera dans la tombe. Troisième point, il sera fainéant
dans les obéissants, dans l'obéissance à Allah. Il verra la prière comme soulever une montagne, faire les ablutions. Il doit refaire les ablutions, il doit aller à la mosquée, il doit faire ça, lire le Coran, il va ouvrir le Coran comme si c'était une montagne, comme s'il tenait une pierre d'une tonne. Tellement c'est lourd, il le referme tout de suite et il le pose. Ça, c'est des signes, mes frères et sœurs, c'est des signes qui montrent que le cœur, il est malade. Le cœur, il est malade. Il est temps de le soigner. Quand tu es malade, quand tu as mal à la tête, quand tu as une maladie quelconque, tu cours aux urgences, tu cours vers le médecin, tu recherches le remède. Pour quelle raison? Tu ne fais pas la même chose avec ton cœur. Si ton cœur, il est malade, c'est pire encore et c'est plus dangereux pour toi. Si ton cœur, il est malade ou il est mourant, il faut que tu accours vers les hôpitaux, les mosquées. Tu accours vers les mosquées et tu demandes. Il n'y a pas d'honte à demander. Comment guérir mon cœur? Mon cœur, il est malade. Je veux revenir à Allah. Je veux faire ceci, mais j'arrive pas. Ou bien je suis faible dans telle situation. Demande. Demande afin de trouver le remède adéquat à ta maladie et à ta situation. Ainsi, tu te rétabliras et tu seras sur le droit chemin, donc, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Inch'Allah les frères, je vous demande Inch'Allah de vous mettre en groupe.